Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans Tales of Iron, les légendes des queues de fer. Car les jeux de mots sont pas possibles, enfin là c'est intraduisible comme jeu de mots. Même si c'est stylé. Et bienvenue, bienvenue pour la suite de cette aventure que vous avez plébiscité. Il faut savoir que je l'avais lancé en live pour une propreté, puis je me suis dit c'est trop bon, le jeu a trop de soul, il faut que je vous le montre aussi. Donc laissez-moi monter le son dans mon casque, voilà, vous le voyez mais ça va disparaître maintenant, très bien. Donc vous n'avez absolument rien raté. La dernière fois on s'était arrêté alors que j'étais sur le trône de mon père, enfin mon trône, vu que je suis Reggie maintenant et le roi des rats et le roi des souris. Je baisse quand même un peu. Le roi des souris, voilà. Et je me suis rendu au village à la recherche de mon frère, le forgeron. Et quand je suis arrivé au village, j'ai raté une micro-cinématique qui était toute petite, où il y avait une dizaine de rats qui étaient les villageois. Et ils disaient, le vieux garde de la ville avait dit que c'était le roi qui avait repoussé les assaillants. Et en récompense, les villageois vont aider à reconstruire le château pourpre. Et ils étaient tous partis. Et, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de tout rebâtir. La vie est en train de reprendre son cours. Là, le violon est triste, si eux. Mais les mecs réparent les routes, sont en train de reconstruire les maisons. Les gens ont survécu. À l'intérieur de la mairie, vous avez vu qu'ils ont rangé les rez-de-chaussée, ils ont viré les cadavres, ils ont réuni de la bouffe. Il y a une infirmière qui s'occupe des enfants. Voilà. Ce que je trouve absolument exceptionnel. Et du coup, voilà. Donc, ma mission est de retrouver mon frère, le forgeron. Et pour ça, il faut que je retrouve le chasseur, c'est-à-dire l'éclaireur slash le chasseur slash le rôdeur, hein, enfin le rôdeur, le rodent, enfin, le rongeur, il faut que je trouve le rôdeur rongeur pour qu'il me dise où se trouve mon frère et qu'on aille le sauver des, j'allais dire des griffes, des grenouilles, mais les grenouilles ça a pas de griffes. J'ai pris ça, c'est gratuit. Et du coup allons-y. Toi, voilà, je pourrais les tuer mais de toute façon mon instant Red Bull est au max. J'ai besoin de rien et qu'est-ce que... J'ai cassé un œuf. Allez, rendez-vous. Rendez-vous, j'ai dit. Allez. Ah putain, oh. Tout va bien. Allez, on en profite. Allez, rends-toi saleté. Enfin, rends-toi pas, mais crève. Voilà, c'est ça. Et donc, les œufs. Les œufs, ça me donne tes choses en fait. Ok, d'accord. Instant Red Bull. Toujours. Si vous avez d'autres noms de boissons à la con, n'hésitez pas. Le prochain sera un instant Selecto. Beaucoup de pit. J'avoue. C'était là qu'il y avait mon frère le cuisinier. Donc ça ici, c'est un safe spot. Donc on est bien. Et il faut que je rejoigne le trappeur. Allons-y. Alors je sais que je porte une couronne qui est complètement pourrie, c'est pas beaucoup d'armure si tu veux. Qu'est-ce qui... Pourquoi les œufs l'intéressent comme ça? Ok, je vais le tuer sans abîmer les œufs. On va bien voir ce qui se passe. Voilà, je le tue sans abîmer les œufs. Ah non, là je vais abîmer les œufs. C'était la carotide. Bouc, bouc, bouc. Attention. Il y en a un deuxième. Ah putain, j'ai roulé dans le mauvais côté. J'ai roulé du mauvais côté, je le regrette. Attention, voilà. Sans abîmer les œufs, sans abîmer les œufs. Je sais pas réellement si ça a une réelle utilité, hein, mais je... Du coup, je n'ai pas abîmé les œufs. Euh...
Bon, instant Selecto. Si Selecto. Ben je ne sais pas. Il faut les détruire, d'accord. C'est des œufs d'ennemis, Bob. Eh, mais je m'en doute. C'est juste que je me demandais si en l'état on pouvait en faire quelque chose, tu vois. Je me demandais si en l'état on pouvait faire quelque chose. Ici, c'est le meunier, sauf qu'on a déjà réglé ses problèmes. Normalement, il n'en a pas plus. Hein. Je vais juste vérifier, lui dire bonjour, s'il est encore là. S'il est encore là. Il est pas là. Ah si, si, ils sont là et ça bosse. Et ça bosse dur, ça bosse dur, ça dépiote. Regardez, ça dépiote, ça bosse. Excellent. 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 Allons-y. Tour. Ah, le rôdeur. Enfin, le rongeur. Enfin, le rôdeur. Enfin, vous m'avez compris. Il a dit qu'il y a des grenouilles par là-bas. Je veux bien, mais... Getting to Ranger territory wouldn't be an easy journey. D'accord. Oh putain, ça va être galère. Ça va être galère. Très bien. Alors déjà, on sewers. His royal ancestors had lifted rats from such places. No rat had dwelt here for years. Très bien. Hop. Eux, ils sont là juste pour augmenter ma potion. Fort aimable. Très bien. Je sauvegarde. Micro sauvegarde. Hop. Et donc là, on peut ramper là et ça mène par ici. On va explorer très rapidement puis revenir. Juste pour révéler la map. Voilà. Donc là, il y a des plantes sur la route, donc on peut les couper. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut descendre, braves gens, aux échelles, parce que si vous tentez de sauter, rappelez-vous... Ah, instant Selecto. Ah. Voilà. Il y a des dégâts. Même d'aussi bas de ça, regardez. Ah non, j'ai pas pris de dégâts, là. Tout va bien. Un ourson perdu. Cet ours en peluche doit être perdu. Il se peut qu'un rat soit en pleine aventure à sa recherche au moment même. Bah merde, alors. Et je peux descendre. Ouais. Ok. Ok. Ok, c'est maîtrisé. Je peux shooter. Ah oui, je peux, ouais, d'accord, par ça glisse, ok. D'accord. Hiya! Et voilà. Excellent. Allez, cède. J'ai bien peur qu'il ne veuille pas céder. Bon. Hop là. Tant pis. Voilà. Très bien. À moins que ce soit le moustique qui doit le faire, tu te dis. Il y a peut-être un plan, hein, t'as raison. Hein. Il y a peut-être un couac comme ça. Hé hey. Yololo. Oh lolo. Bouc à blab. Putain. Instant Selecto. Bouc. Double instant Selecto. Ouah. Non, ça change rien. A mon avis, il me faudrait, je sais pas, une hache à deux mains ou un truc du genre, tu vois. Non, tu vois, ça marche pas. On va quand même l'humilier parce que... Quand même lui rendre un peu ce qu'il nous a mis. Voilà. Fantastique. Très bien. Oh, il a donné deux de fer quand même. Hein. Tant pis. Ça valait le coup d'explorer. Hein. De toute façon, c'est Rat Souls. Et dans Rat Souls, il faut. J'ai flexé. Hein. Étrange exposition du Brice, mais très bien. Qui est la traduction littéraire de Weird Flex, bro, but alright. Étrange étalement du bris, mais pourquoi pas. Allez.
Une armure contre les insectes, je pourrais. Mais après, je vais me retrouver face à des grenouilles, et c'est elles que je crains. Les insectes, ça se gère. Ah, Dieu merci, ce n'est pas un mur. Ok, ça. Bouc ! Bouc ! Ok. Ok. Bouc ! Bouc ! Bouc ! Bouc ! Attention, il fait semblant. Voilà, il met une pression. Alors qu'en vrai, il vaut rien du tout. Oh, regardez au fond les grenouilles! On est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. Fort heureusement, ces enculés m'ont pas remarqué, mais on est sur la bonne voie. Je saute pas assez haut, je pourrais jamais rattraper ça, donc il faut continuer. Je l'ai vu. Ok. Hop. Ah. Très bien, voilà qui est intéressant. Mais bien évidemment, c'est pas là qu'on va aller, hein. Pas qu'il faut aller, brave gens. Ah, je me suis fait mal. Instant sélecto. Allez. Allez. Touk, touk. Touk, touk, touk. Touk, touk. Ah, c'est bon, il est mort. Allez. Donne ton nu du bain. Impeccable. Le jus. Allons-y. Et donc ça mène... Je me demande si je me pomme pas pour rien là en fait. D'un côté j'ai envie d'explorer, tu vois, pour savoir à quoi je fais face. Mais de l'autre côté, sauver le frère aussi c'est une priorité. Bon, explorons. C'est rattrapé ça. Tout s'est rattrapé ça. Ah! C'est pas ce que je voulais faire. Ah! Putain! Instant haut du bain de Belle Delphine. Ah, rafraîchissant. Ok. Est-ce que ça se bloque, ça, seulement? Ça se bloque. Ah, putain. Victoire. Ah. Tout va bien. Ma vie, ma mort. Jésus. Bon. J'ai failli fondre. Mais tout va bien. Comme vous pouvez le voir. Rira bien qui rira le dernier. Par contre, j'ai été mis raplaplin, j'avoue. Il faut que ces saloperies me donnent l'euro du bain, là. Lâche. Allez.
Lâche le jus de cul. Le jus de cul. Le jus de cul d'abeille. Fantastique. Ok. De fait, je peux descendre ou monter. Je peux aussi jouer. J'ai envie de descendre. Mais avant de descendre, on va jouer de la sécurité. En courant et en esquivant ces minables. Voilà. Excellent. Pardon. Désolé. Voilà, mais j'ai besoin de potions magiques. Merci. Et ensuite, voilà, petit repos. Maintenant qu'on a sauvegardé, et qu'on a sauvegardé notre progression et surtout notre victoire sur cette espèce de gros truc qui envoie des cailloux, on continue vers le bas. Esquive. Esquive, j'ai dit. Mais esquive pas. Double esquive. Triple esquive. Alors, on les ignore copieusement. Et on va ratiboiser d'autres terrains. Alors, où est-ce que ça mène toute cette merde? Ça mène par là-bas, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on connaît déjà l'endroit. Mais attends, ça c'était pas une porte qui était Keblo justement? Si, en fait, regardez là. Cet endroit-là que je centre là à l'écran. C'est là qu'il y avait une porte en bois pétée, c'est ça? Pas une porte en bois pétée, mais il y avait un insecte. Et il y avait une porte en bois que je pouvais pas péter. Donc il y a peut-être moyen d'aller à gauche et de voir ici. Ici, il y a du gras. On va passer à droite et voir s'il n'y a pas un mini-boss, un strum ou quelque chose d'intéressant. Et si oui, nous partirons, sinon tant pis. Il y en a deux, donc très bien. On va pas prendre de risque, c'est clairement pour plus tard. Clairement pour plus tard. Oh putain. Clairement pour plus tard, clairement pour plus tard. Hop là. Bouc, 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 bouc. Allez. Oh là là, derrière l'écran en plus, c'était qui? Instant cacolac. Très bien. Et c'est un point safe. Incroyable. J'ai cassé des pots. Et j'ai trouvé des flèches, notamment de l'acier. C'est bien ça. Ce sera très utile ça. Et encore une planche qu'on ne peut pas briser. Mais putain! Donc ça veut dire que cet endroit, on ne pourra l'atteindre que plus tard. D'accord, il faudra s'en souvenir de ça. À droite, on ne peut pas passer le gaz. Donc maintenant, il nous suffit de remonter et d'aller enfin à la surface. Très bien, bah, tout ceci n'avait servi absolument à rien. On me dit « tape plus fort ». Mais je peux pas. Voilà, j'en ai fait 10. C'est non pas une bombe, non pas deux bombes, non pas trois bombes, non pas quatre bombes, non pas cinq bombes, non pas six bombes, non pas sept bombes, non pas huit bombes, non pas neuf bombes, mais bel et bien 10 bombes. Personne n'aura jamais cette référence. Reggie hoped his bow would last the fight. Ah. Bouc. Bouc. Je suis là. Je le troll. Enfin, je suis curieux pour les flèches en fait. Je me demande si les flèches peuvent le tuer. Aïe. Oh putain. Ah oui, c'est parce que je peux pas les bloquer, d'accord. Tout va bien. En vrai, tout va bien. Oui, ça tue. Ça tue. J'étais curieux, vous voyez, j'étais curieux. Là sur la gauche, ça mène à ce fameux passage. Et là, il y a un point de sauvegarde. Alors déjà, on va prendre le point de sauvegarde. Oh non, salaud! C'est mon sujet, ça!
Allez! Game. Il faut une clé, très bien. J'avais compris ça. Mais d'accord, mais tu t'en bats les couilles! Ah, t'avais la clé, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Très bien. Bon. Déjà, regardons les quêtes. Pas de quête. Très bien. Et puis parlons-lui. Instant de boule. Alors, oui, mon frère, parle! Ils sont les oreilles qui bougent, c'est adorable. La tour de garde. Il nous faut une hache. Une hache pour monter. The head ranger saw the smith taken to the tower by the foul swamp slayer clan. But the frogs had barricaded the path. Only a heavy two-handed axe would shatter it. Ah hein, et t'aurais pas ça T'aurais pas ça sous main? Qu'est-ce qu'il a ce vieux? Ouh! Ouh la belle! Ouh Polo! Oh! Alors je sais que c'est un peu tôt pour les impôts, mais les taxes, mon gars! Ouh pépé! Eh ben. Voilà. D'accord, gauche pour mon épée normale, droite pour la hache à deux mains, et rien, j'ai arme à deux mains. Excellent. Eh ben fantastique. J'ai peur de peser un peu trop lourd pour se prendre avec tout ceci. Non, c'est bon, je suis encore léger, il faut que je reste léger. Il faut que je reste léger, très bien. Eh ben, on a une hache à deux mains, ce qui du coup... nous permet de péter les portes en bois, mais nous permet surtout de revenir dans les égouts pour en finir avec, avec toutes ces velléités terribles, notamment les portes qui sont là, là, en bas, là. Et ce serait intéressant, mon humble avis. Ça ressemble à quelque chose caché, si tu veux. Sauvegarde. Donc, allons-y. Ah, putain, je l'ai prise. Ah, je l'ai prise. Putain. Allez. Ah putain. Ah non. J'ai essayé. En fait, il faut savoir que je dash pour esquiver les attaques rouges comme ça que tu peux pas bloquer. Je dash en avant, je fais un dash en avant. Mais pour une raison qui m'est obscure, faire un dash en avant, tu te prends quand même l'attaque en fait. Il faut que j'apprenne à faire des dash en arrière. Ouais. Ouais, j'ai fait une roulade, je l'ai prise. Voilà, en vrai, il faut que j'en tue un parce que ça me permet de régler ensuite. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, c'est une question de rythme. Ah, ça touche. Soulevé. Eh ben... c'est la saison pour abattre des fils de pute. Allez. Bon, par contre, quand j'ai cette arme sortie, je rame du cul. Ce qui, somme toute, est tout à fait normal. Très bien. Allons en dessous. Tu cherches, tu cherches. Bouc. Ça les renverse quand même de les frapper à la grosse hache, hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on récupère, là? Un bouclier coloré, très joli, mais malheureusement trop lourd pour nous. On va le poser pour l'instant et on verra plus tard. Hop là. Par contre, la grande question, on a un ours en peluche et ça c'est très bien. Comment je vois mes armes?
À deux mains, d'accord, donc ma lance. Alors en fait, par rapport à la vitesse à laquelle ma lance tape, c'est plus avantageux de faire des petits combos plutôt que des gros. Les gros mettent au sol, mais vous avez vu qu'en termes de vitesse, on n'y est pas, si tu veux. On n'y est pas. Ah oui. Hey, ça marche. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, excellente défense, poids tout à fait acceptable. Merci, fort aimable. Et du coup, hop, on peut utiliser un raccourci. Voilà. Hop. Hop. Attention, descend. Hiya, bouc. Voilà, très bien. Vous avez vu par contre comme je rame du cul, quand t'as la hache de sortie t'es super lent et quand t'as les armes rentrées tu vas super vite. C'est donc ça le secret, slash la différence. Ok. Il faut que je me serve plus souvent de mon arc aussi parce que vraiment c'est safe et t'as genre 20 flèches et je j'oublie toujours de m'en servir, ce qui est une erreur lamentable de ma part. Détendu. Allez, tac 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 tac, taïo, bouc 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 bouc. Ça marche pas, il faut forcer les coups. C'est comme ça que t'as été conçu. Alors, tac 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 tac. Attention, 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 attention. Je sais pas si on peut viser en vrai. Bon. On hache menu, on taille, on émoustille, on émulsionne. On saute, on fricasse. Voilà. Très bien. Ok. Ensuite, à savoir comment on atteint... Ah, voilà. Comment on atteint ce coffre. Rien de plus simple. Et voilà. Et dedans... ça protège contre... Je sais pas contre quoi ça protège. Mais la défense est bien meilleure et c'est plus léger. Donc c'est sûr qu'on n'a pas de protection contre les grenouilles. Mais honnêtement, ça vaut la peine. Et une main qui est... Enfin, une lance qui est bien meilleure et qui pèse bien moins lourd. Vraiment, on a eu de la chance. Du matériau... Du matériel de très bonne qualité. Dit-il en se pétant les genoux. Ça mène quelque part, ça. On n'avait pas fini. En plus, là-bas, c'est une... Comment ça s'appelle ? C'est une voie à sens unique. Très bien. Ignorons-les. Ah, ça marche pas. Voilà, on l'a haché menu. Hop ! Allez ! De toute façon, on est au début du jeu, il y a toujours des niveaux dans les égouts. Hein. C'est Dark Souls. Alors où est-ce que ça mène ça du coup? Un point de sauvegarde, intéressant. Par l'aimant. Voilà, si c'est juste eux, en vrai ça se fait. En vrai tout va bien, vous voyez. En vrai l'instant est maîtrisé, tu vois. Ensuite là il y a une échelle. Parfait. Aha.
Elle pèse beaucoup plus lourde, mais elle est beaucoup plus puissante pour une masse à deux mains. Je la prends. Très bien. Elle est déjà couverte de jus de cul d'abeille. Et ça, c'est tout ce qu'on demande. Impeccable. Bah, j'ai pas pu l'esquiver. On peut faire des esquives avec. Ouais, d'accord, mais c'est vachement plus lourd. Instant hydromel. Hop. Excellent, max, c'est très bien. Il y avait rien d'autre là, vous êtes sûr, monsieur le juge? Cet endroit a l'air suspect, monsieur le juge. Monsieur le juge, très sérieusement, cet endroit a l'air suspect du cul. Sans doute plus tard. Aïe, oh, putain, vous avez vu là, la chute? La chute que je me suis tapé de même pas une hauteur d'homme. Ce jeu, il pardonne pas. Ce jeu, il pardonne rien du tout. Allons-y. Une corde pend au-dessus de l'échelle. Oui, mais c'est la corde que j'ai laissée après avoir fait tomber la caisse dans laquelle j'ai trouvé une arme. Respirez, les enfants. En plus, vous regardez que ça ne mène nulle part. Aïe, oh, raté. Ça servait à rien, mais ça fait du bien. Allons-y. Salut. Petite roulade. Ok, on peut partir. Si on part à droite, ça ne mène jusqu'à l'échelle qui nous permet de monter, qui nous permet de remonter, qui nous permet d'avancer, parce que sinon, on a le poison. Très bien. Eh bien, écoutez, en faisant juste ce passage, on a récupéré une armure, une lance à une main, un bouclier, une masse à deux mains. Honnêtement, on est refait, je veux dire. En vrai, on s'est mis à jour en termes d'équipement. Hop. Très bien. De toute façon, il n'y a pas de point d'XP, donc ça sert à rien de se battre contre des trucs qui servent à rien. Hop. Allez, on regarde pas en bas. Hop. Facile. Tac. Et voilà. On va donc pouvoir faire ce qui est fun dans ce jeu, c'est-à-dire affronter des grenouilles. Parce que leur planter des lances dans la gorge, ça c'est kino. Sauvegardons. Voilà. Ah oui, j'y travaille. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Nothing like the feel of an axe smashing through tough wood. Reggie wondered if it would do the same to frog shields and frog skulls. Ah! Et donc je peux outrepasser les connards avec des boucliers. Fantastique. Fantastique, fantastique. Ça aurait été super utile contre le boss du début du jeu. Ils auraient quand même pu me donner un tambour qui marche, hein. Eh bien. Impeccable. Arme à une main, très peu puissante, comparée à ce que je porte actuellement. Donc c'est pas avantageux. Le poids est très légèrement meilleur, mais de pas grand chose. Et là, il y a un passage secret. Qu'est-ce que... Hey! Statue ancienne. Cette statue usée par le temps représente les fruits de la terre, sans lequel il n'y a pas de royaume. Oh. The statue was made from the finest quality marble. It felt unusual in this dark, dingy place. Effectivement. Ah, voilà. Tayo! Book! Tac, tac. Allez! Ah putain, encore. Ah, à chaque fois je dash vers l'avant, mais il faut pas. Ah putain. Ok, très bien. Oh, ça l'a décapité! Ça marche, hein?
Ça outrepasse ses fumiers. Ouh. Ah, instant Pepsi. Alors lui... Ah, la parade. Ah, j'ai essayé de rouler en arrière, mais j'ai pas pu. Putain, je me suis retrouvé touché. The ranger was excited to help the king. An unforgettable tale to tell his children one day. En espérant qu'il les ait nombreux. On l'en repose. Ah, j'ai vraiment un problème avec les attaques rouges de la part de ces saloperies. Que je me prends toujours parce qu'en fait je fais l'erreur de dasher vers l'avant. En fait pour leur passer à travers, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'essaie toujours de leur glisser entre les jambes en fait. Et c'est clairement une erreur qui me coûtera très très cher. The Smith's hammer. He would never have dropped it willingly. Putain, c'est comme la toque de mon frangin. Récupère-le. Récupère-le. Bon bah il le récupère pas, très bien. On va descendre là. Reggie was grateful for his help. He needed to get to his brother as fast as possible. Would he find him still alive in the tower? Meilleur arc, excellent. Ouais, 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 et ben allons-y. Putain, ok. Très bien. Ah, j'ai essayé. Vous voyez, j'ai dashé pourtant. Ah, chaque fois je me fais avoir. C'est un boule. Ok. Non mais c'est vrai que c'est gratuit ça. Ah, pourtant. Chier. Ah putain, mais lui je me fais coincer dans le coin. Et en fait je sais pas si t'as le droit de dasher ou autre, c'est pas sûr. Rien n'est moins sûr. Allez. Ça prend, c'est gratuit. Ouh. Ouh. Impeccable. La défense est pire et ça pèse encore plus lourd. Mais il y a une résistance face au crapaud qui est folle. J'ai envie de dire oui. Et elle est très très classe, mais elle est moins forte que ce que j'ai récupéré, donc tant pis. Ah, vous voyez que je peux faire moins de dash en fait. Mes dash sont moins souvent en fait. Ils se transforment beaucoup plus rapidement, vous voyez. Je suis plus lourd. Très bien. Et ben allons-y. C'est bon, il n'y a pas de musique. Bah, il me semble pas qu'il y en ait, hein. Ils en mettent que quand ils en veulent. Il n'y a pas d'option, de toute façon. Paramètres, fais voir. Si tu as, tout est à fond. Ok, non, non. Bon, au moins cette armure nous protège des grenouilles à l'infini. Le frère. Avec les gouttes de sang des autres qui lui tombent dessus. The Smith was alive. But the key to his freedom was held by Blocky Magoo, merciless leader of the Swamp Slayers. He squatted atop the tower, croaking orders to his clan. The village would soon be a ruin, and the frog spawn would feast on the dead. Ok. J'aurais bien voulu avoir plus de jus de cul d'abeille. Donne l'occasion de changer d'équipement, c'est pas si mal. Oh, le bandeau de Rambo, le casque qui me fait rêver. Mais j'avoue que le bonnet, si tu veux, mais bandeau de Rambo, hein.
Bandon de Rambo, ça me met bien en termes de points. Hein. Je sais pas si je suis léger du coup en termes de poids ou pas en fait. Faut que je vérifie. Je sais pas si je suis considéré comme moyen ou pas en fait. Je suis peut-être à l'extrême limite hein, en vrai. Très classe. Je sais pas pourquoi c'est violet d'ailleurs. Il y a des vêtements qui sont différentes couleurs et je sais pas. Est-ce que c'est les mêmes couleurs genre World of Warcraft si tu veux ? On ne sait pas. On ne sait pas, rien n'est moins clair, rien n'est moins sûr. Après, prendre le bouclier brisé, ça me mettrait à pour sûr. ça me mettrait à pour sûr dans le léger, mais c'est quand même un peu risqué, c'est quand même un peu risqué. Ça, à coup sûr, ça me met dans le léger. Mais je perds le à distance. Ça, c'est moins puissant, mais le poids est meilleur. On va la prendre, on va la prendre. On va continuer à servir de sa lance. Hop. Génial. Impeccable. C'est léger, il y a une plume qui le monte dans le poids. Je sais pas, j'ai pas vu. Ah ouais, d'accord, c'est considéré comme le poids. Très bien. Impeccable. Ça protège à l'infini contre les insectes suceurs de bites, mais moi j'en ai pas besoin. Hein. J'en ai pas besoin. Moi, j'ose à croire que j'en ai pas besoin. Allons-y. C'est bien ce que je pensais. Oh le bon. Oh Polo. Effectivement. Il se régale. On va dire bonjour. D'accord, il dit bonjour. Aïe ! Ah la vache ! Je suis pourtant allé assez loin, mais... Ah putain. Ah la vache. Bon la vache. Ok, je me suis fait rouler dessus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, très bien, ça marche. Ah putain, pourtant, comme je suis Keblo dans le coin, en fait je peux pas fuir assez loin pour le... Ah la vache. Ah putain, alors c'est chaud à esquiver tout ceci quand même. Non, et j'ai fait un dash avant. Bon, il va falloir apprendre les patterns. Il va falloir apprendre à jouer, il va falloir se mettre bien. Et l'autre il joue le tam-tam derrière. Ça joue. Ok, très bien. Ok, ça marche. Le gameplay que je viens d'apprendre m'a permis de débloquer le jeu. Oh la vache, je pensais que j'avais encore le temps de l'esquiver, mais pas du tout. Tant pis. Oh la vache, je me suis mis dessus. Bon. Ouais d'accord, et là il se met sérieusement. Je suis quand même grave dans la merde hein. Ok, ça je pouvais le bloquer je pense. Ok. Très bien. Ok, très bien, bon. C'est bon. Dans mon esprit de rat, j'ai fait le combat mental 1000 fois. Je sais que je suis le meilleur. Instant cacolac. Tout va bien. Allons-y. Avec force et confiance. Ce coup-ci, on sait. Ça l'interrompt d'ailleurs. Attention. Allez. On va être obligé de le faire réagir un peu. Tant pis. C'est bloqué.
C'est bloqué. Allez. Voilà. Oh là là, il est aux abois là. Ah, il est en train de se droguer. Oh putain. Ah putain, j'ai de la gel. Ouh la vache. Ouh la vache. Oh la vache. Bon. Instant Red Bull. Instant Red Bull, j'ai dit. Tout va bien. Allez. Corpse of Blocky Magoo lay lifeless on the floor. He had croaked his last orders. Cet instant a été sponsorisé par Perrier. Second try. Je suis fier de nous. Oh, très lourd. Mais très très bon comme bouclier. Je pense qu'on peut peut-être y penser. J'ai une question. Est-ce que la stat de défense, c'est une stat générale? Ou est-ce que c'est juste l'efficacité du bouclier? Parce que techniquement, on pourrait prendre le pire bouclier, ça change rien en fait. Une lance qui est pire, mais qui pèse un peu mieux, mais très bien. Ok, très bien. Pas mal ça. Bon. Pas mal. Non, descends. Voilà. Ça va prendre un temps fou pour nettoyer cette tour quand même. C'est pas qu'il y a mille et une personnes qui sont agglutinées à l'étage, mais quand même, on peut se passer de cette armure même si elle est excellente. Elle est beaucoup trop lourde. Voilà, par rapport à l'usage qu'on veut en faire. C'est juste la même, mais meilleure en fait. Je sais même pas où est-ce que j'ai trouvé cette armure, mais elle est complètement craquée en vrai. Ouais, complètement craquée. Et là, je mérite. C'est pour moi ça. Ça c'est offert. Ça c'est offert. Des nouvelles armes. Oui, sauf que moi ce que j'ai, c'est l'arme qui est de loin la plus puissante. Donc c'est très bien parce qu'il faut mettre des quilles. Et cette grosse massasse, elle est très bien. Ouais, d'accord, je deviens lourd. Elle est très bien, mais on peut se contenter. Ah, c'est des armes à une main. Ah, d'accord. D'accord. C'est bien, les haches. Je me demande si les ennemis ont des résistances différentes selon... Ouais, mais vachement plus puissante cette lance. Hein. Il faut la garder. Il faut la garder. Je me demande s'ils ont des résistances selon les types d'épées que tu utilises contre eux ou autres, en fait. Ouais, ça me fait passer en poids. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très joli. Mais c'est de la merde. Et enfin, ça, c'est un bouclier lourd. D'accord, ok. Bah, pas mal. Pas mal. Oh, hop là. L'armure, ça doit être le tiers de l'armure. Ouais, je pense aussi. Hein. Allez, debout. Free of his chains, the smith would return to the Crimson Fort. The ranger would return to the lodge to begin to rebuild his guild. The young king thought he best check in on them both. Eh ben, flutu. Très bien. La communication. Ah, le mur invisible. Ouah. Ok, très bien. Pas grave. On aura mille et une fois l'occasion de save sur le chemin du retour. Ça va bien se passer. Si je reviens là, du coup, le mur invisible, il est toujours là. Ouah. Oui, il est toujours là. Ce mur du guac, il est imbloquable. Du coup, ça dit que j'ai nouveaux objectifs de quête. Là, il y a des flèches. Et là, il y a quelque chose. Ratus me dit de revenir au village. Très bien. Donc, il faut qu'on aille tout à gauche. On a exploré bien les poubelles des catacombes. Mais d'abord, on va faire un tour à la loge. Putain, il va nous falloir des années pour reprendre le contrôle de ces terres. Ah, ces salopes de grenouilles. Ils sont venus foutre un merdier, mais sans nom. Tout.
J'entends que ça fait la fête. En même temps, après une victoire pareille, ça mérite. Hein. Hey, flutuflu. Poison. Applied to any blade. It could affect enemies of any size, giving Reggie a much needed advantage. Oh merci! Fort aimable! Donc en appuyant sur bas, j'applique le poison malade. Très bien. Sauf que j'ai pas envie de le faire tout de suite, j'ai peur de claquer. À quoi qu'on peut le re-remplir au-dessus? Oh! D'accord. Ça marche, il est empoisonné là? Et à quel point ça marche? Est-ce qu'ils en meurent tout seuls ou pas? Ça les tue! Effectivement, ça les tue! Donc tu peux jouer une grosse guerre d'attrition comme ça. C'est possible. Hein. C'est possible, c'est possible. Il veut plus ranger son arme, très bien. Reggie qui est en mode c'est la guerre. Contre 20 morceaux de machin, qu'est-ce que tu me fais? Tu me vends du poison, c'est ça? Moi je peux pas parler aux choses, attends. Chasser l'infestation de larves. Des larves ont infesté une partie des égouts, faut pas les laisser se propager. Et merde. Détruire le nid des larves. Une larve est apparue dans les égouts. Si le problème n'est pas réglé, ils enverront toute la zone. Bon bah écoute. Prends tout, hein. More grubs in the sewers. Reggie looked forward to a day when being king didn't involve so much time in sewers. C'est vrai que je suis d'accord, mais pour le coup, ça veut dire qu'il faut, comment dire, il faut que je peux prendre qu'une quête à la fois. Ah putain, si je peux prendre qu'une quête à la fois, ça va être une guerre de rattrition. C'est terrible. Et au fond, t'as le rat qui s'entraîne à tirer des flèches. Oh là là, c'est stylé. Et lui, il joue du pipeau. Ça pipote. Très bien. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Écoutez, on va juste faire celle-là. Et s'arrêter là. Apparemment, c'est par ici. Et qu'est-ce que... Hein. Petit. Pourquoi il est terrifié, lui? Enfin, je comprends qu'il soit terrifié, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Ah! Ouh! Allez, ça tue! Ah putain! J'ai rien. Ah putain. Ok. Ha. Allez. Allez, faut mourir. Vous en faites pas madame. La situation est bel et bien sous contrôle. Je sais que c'est difficile. Ah bleu. Je sais que c'est difficile à croire, mais je vous jure que si. The ranger thanked Reggie for his rescue, but he still needed help. This infestation was of a size he'd never seen before. Et il reprend son taf. J'ai envie de dire, la situation était sous contrôle, bien évidemment, avec la marque Morito. Excellent. Très bien. Encore. Allons-y. C'est juste en dessous, très bien. Bah c'est mal, là j'y vois rien du coup. Ah. Très bien. Des œufs, des méchants. Venez. Niquez-vous tous. Bulia. Dommage. Oh là là. Bulia.
Ouh là là. Bouc. Tac, tac, tac. Ok, j'ai tout pris. Hop, gâteau rad. Parade de cailloux. Ah putain, j'ai mis la max. Séparé, il est séparé du dernier moment. Hein. Attention. Ah putain. J'arrive toujours à me surprendre parce que j'arrive jamais à vraiment savoir quand est-ce qu'ils vont attaquer ou pas. Deuxième sauce. Ah putain, j'ai essayé de l'esquiver mais pas assez rapidement. Allez, parade. Bouc. Bouc dans le cul. Massacre à la hache. Ouh. Victoire. Oh, oh la belle. La belle, elle est aussi puissante, mais elle pèse un tout petit peu plus lourde. Bah, tu sais quoi, je vais la prendre. Ça me fait un peu de variation. Un peu plus lourde, meilleur bouclier de défense. Très fort, un gros bouclier lourd. Allez, the young king hoped that was the last of them, and that the smell would wash off his armor. T'inquiète, on changera de slip, mon cher Edgy. Ça va bien se passer. Prends tout. Voilà, prends tout. On récupère tout. Excusez-moi, je loot, hein. Ça prend un certain temps. Allez. Petit Dr Pepper. Tout petit. Hein. Ouais, là, c'est toxique, donc on peut pas y aller. Excellent. Fantastique. Et ben voilà, une quête secondaire, finalement, rondement menée. J'aimerais bien finir avec la dernière, et après, on aura terminé avec les égouts. En plus, l'épisode fera pile poil une heure. Donc, c'est impeccable. Tac, 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 tac. Bouc. Ah non. Bouc. Ah ben. Ah ben. Bouc. Ah non. Ah. Mais. Bouc. Il me nargue. Au secours. Tout va bien. Très bien. C'est-à-dire, j'entends que ça bouge en dessous de moi, mais je m'en fous. Je les ignore copieusement. On retourne à la loge de chasse. Il y avait une deuxième quête. Là. Ok. Et donc là, un nid de larves est apparu dans les égouts. Facile. Was there no place the grubs would not infest? Even the sewers were overrun. Any more of them in the kingdom would stink like the froglands. Très bien. Et la question, c'est pour les poisons. Où est-ce que je vois les... J'ai un poison, ça dit. D'accord. J'en aimerais un deuxième, si vous voulez bien. Un poison pour 20 épines, quand même. Hein. On aurait pu ne pas claquer le note durant le tutoriel. Hein. Ça nous aurait économisé pas mal d'argent. C'est pas rien, c'est pas rien. Du coup, il veut que ce soit où, il veut que ce soit là. Très bien. Simple enough. Allez. Attends, Bob, si tu crois que c'est la dernière fois que tu vois les égouts, techniquement, tu joues un rat, hein. C'est vrai. Ok. C'est ici. Et donc lui, il a peur. The young ranger warned the king what he was about to walk into. Grubs like these were not to be underestimated. Je sous-estime. Voilà. Je sous-estime. Ok, il faut le bloquer, ouais. J'ai sous-estimé et j'avais raison. C'est tout? C'est tout? Vous êtes sérieux, monsieur l'agent? Ouah. Joli. Ça pèse vachement plus lourd, mais grosse défense. Honnêtement, vu qu'on est déjà dans le milieu, the grubs were gone and the stench was contained. C'est tout? Oh là là, mais c'était même pas une quête! Oh là là, comparé à l'autre, c'était insignifiant. Hein.
me faut encore 5 coups pour les tuer, ces saletés. Ah, c'est bon. Je me lasserai jamais de voir Reggie boire à la bouteille cette espèce de petit glug 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 glug. C'est tellement mignon. C'est comme quand tu regardes des vidéos avec des petits mammifères qui boivent, genre des hamsters ou des trucs comme ça, ils sont là glug 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 glug. C'est adorable. Juste adorable. Après ils pissent partout, tu vois, c'est une catastrophe, mais c'est adorable. Ok, on est d'accord qu'à la guilde des chasseurs, il n'y a plus de quête là. On est frères. Tout est fait, tout est bien. Impeccable. Hop. Petite pause. Et voilà. Eh bien écoutez, lors du prochain épisode, braves gens, on se rendra au village, puis sans doute au château, pour aller parler à notre frère le forgeron, et voir ce qu'il nous réserve, ce fieffé coquin, ce minable, ce larbin, ce mec qui s'est fait kidnapper, et que c'est maintenant à nous de devoir faire le taf, et de nettoyer l'entièreté de cette putain de région. Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, c'était la détente, encore une fois. Du contenu, alors que je suis sans doute en tournée de dédicaces dans toute la France pour le Chaudron Noir et que le Z-Event arrive juste derrière. Merci infiniment pour votre soutien. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou. Hop. C'est l'ambiance, hein. Ça s'ambiance sec, pas que c'est... Oh là 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 là. C'est gratuit.